Bonjour à tous, ici Amilo le Takoun, voici pour la suite de The Defect 2, toujours en compagnie de Petit Seb bien sûr. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, ça sera la mission 5. C'est parti. Rush pas tout de suite, on va essayer de regarder les succès à faire pour la mission. Oui, chef. Chapitre 5. Oula. Nouveau monstre. J'espère qu'on commence pas en plein milieu. On dirait que si. Je me mets dans le coin, je regarde les objectifs. Votre vie est descendue en dessous de 15% 3 fois. Tuez la moitié des ennemis avec un tir en pleine tête. Celui-là, ça va être balèze. Comme ça? Ah, ils vont servir. Merde. Merde, je suis coupé le bras. Putain. Merde, je me fais attaquer sur le côté. Barrez-vous. Fuyez, pauvre fou. J'ai encore coupé un bras. Je vais couper ce que je pouvais. Non, je pense que. Moi, je vais couper les couilles. Oh, t'as pas plus salido que moi. Hop, et j'ai trouvé une tablette. Allez, je vais augmenter ma compétence rapidité, c'est pas pour rien. On va faire une course. Tu pourras faire la course avec les zombies. Donc là, c'est un code à rentrer, et comme t'as trouvé la tablette avec le code, ça me le met à côté. Je peux la... Comme ça, je me trompe pas. Oula. La fumée verte. Oui, ça fait descendre nos PV, ça, je crois. Mais du coup, ça va être facile de descendre en dessous de 15% de PV. Les gars, ça arrive sur toi. Ouais, mais en fait, j'ai envie de me laisser taper. Putain, ce con, j'ai pas bougé, il a pas réussi à me toucher, il a frappé à côté. Tu crois ça? Ah ouais, ça a du talent. Hein. Là, en plus, en se laissant taper, on a plus le temps de les viser, c'est cool. Moi, je suis obligé de poursuivre, les gars, pour qu'il me tape. Il est 15%, je sais pas combien ça fait, mais ça va faire super bas. Effectivement. C'est quoi, c'est du quelqu'un qui me tire, là? Tu veux mourir? Moi, je vais mourir. Alors le but c'est de descendre en dessous de 15%, c'est pas de mourir hein. C'est pour ça que je me suis soigné. Je sais pas combien j'en suis de point de vie. Mais il m'en reste certainement plus beaucoup. J'ai plus qu'une case. En fait il m'est resté qu'une case, je suis allé me soigner. Je sais pas si je suis descendu en dessous de 15% mais... Oula. Toi t'es pas en dessous de 15%, je pense pas. Merde. Il me restait qu'une case. En fait faudra qu'on s'amuse à calculer pour la faire celle-ci, je pense. Ouais, parce que le nombre de cases a rien à voir. Donc, Attends, j'ai un nouveau pouvoir normalement. Ça c'est la dévastation. Ok, alors voyons voir, j'ai 15 000 PV, donc 15% ça fait 150, 150 et 75, il faut que je sois en dessous de 225 PV. Je suis à 882. En dessous de 200 t'as dit? Moi, parce que j'ai 1500 PV. Mais je sais pas combien t'en as toi. T'as vu mourir. Regarde combien t'as de PV. J'ai 1500. Et là, de toute façon, j'en ai 200. Enfin, maintenant, moi j'ai de la régénération donc ça a remonté. Mais j'avais plus de cases qui paraissaient. Tu
faire un medikit peut-être. Ouais, parce que le truc il se soigne pas en plus. Hop. Alors moi je fais le tour de la map pour fouiller. Alors. Là, tu... Hop. Ah, je vois un ennemi qui arrive là. Laisse-moi, faut qu'il me tue. J'ai peur de moi, je sais pas. J'ai rien fait le pauvre. Yo les amis, on est mission. Ah, il est là. Viens quoi. Tu m'as pas assez tué, reviens. J'ai trouvé une tablette. Ouais, 2 sur 4. Bien joué. Trouver de la thune. Purée, tous mes carrés rouges ils sont effacés. J'espère que tu lui as tiré quand même dans la tête. Ouais, enfin j'ai essayé, je sais pas si je l'ai eu dans la tête, mais. Ah, encore en plus. Ouais, je suis à 180 PV. Parce que la première fois j'y étais pas. Putain, j'aurais dû utiliser Medikit au lieu de me soigner là. Bon, arrête, je peux te courir après, tape-moi dessus, merde. Là, tu fuis, quoi, il va l'autre bout et de la planète. Mince, j'ai encore balancé mon pouvoir. Arrête d'aller à l'autre bout de la planète aussi, là. Il y a quoi ici? Eh non, c'est les gars, en fait, on est en train de faire un niveau qui va durer 3 siècles juste parce qu'on essaye de se faire tuer. Qu'on n'arrive pas. C'est ça le pire. Ouais, dans quelques missions, on voudra pas mourir, on mourra, t'inquiète. Ils mourraient comme des grosses merdes. Quand t'as fini, enfuis-toi, tue-le pas. Faut que tu sois au moins là, au dernier carré. Voire même au dernier carré, je pense que tu te sauves et tu regardes combien t'as de PV. Un peu. Ouais, vas-y, tire-toi. Les gars qui n'arrivaient pas à mourir. Bon, on va peut-être continuer parce que ça doit pas se terminer là, de toute façon. Ça, je sais pas. On est déjà mort deux fois chacun. Je pense que si. Il y a peut-être. Ah, c'est bon, il est en train de me taper. Vas-y, frappe-moi. J'aime ça. Pardon. Tu me fais peur. Actionner le premier chiffre, celui qui est encadré en orange, et ensuite ça va bloquer le code et il va falloir sélectionner les autres normalement. Mais c'est ce que je fais. Ah d'accord. T'as cliqué sur hacker avant ou un truc comme ça. Alors je vais essayer de dire un frère. Oh d'accord, j'abandonne. Ça se fait. J'espère qu'il y a de la thune. Hein. Fais gaffe. Intérêt qu'il y a de la thune. Ça se trouve, la thune baisse en fonction de combien de fois tu l'as raté. Il n'y aura plus de thune à l'intérieur. Alors, yep là. Un du premier coup. Trop fort. On voit celui-là qu'ils ont l'habitude. Bah, il y avait les mêmes dans le 1. Ah, les ennemis, venez nous frapper. On attend que ça. Arrête de dire ça comme ça, ça fait peur aux. Les démasochistes de confirmer. Ah, au secours, je me fais attaquer. Ah, vas-y, j'ai ça. Ah, t'as bougé, ça lui a fait peur, il s'est enfui. Tu veux dire que je suis un monstre? T'es un monstre. J'en ai quelqu'un qui me tape dessus, j'espère. Je sens PV, je suis en dessous.
Merde, je l'ai pas lu. Mais je vais à la salle de soins. Oula. Moi aussi. Toi tu crèves. Moi je vais le refaire encore une fois juste pour être sûr. Et ça se trouve c'était ça se trouve la mission l'a mal compris, c'était pas de tomber en dessous des 15% de vie trois fois, c'était de ne pas tomber en dessous des 15% de vie trois fois. Et du coup on va l'échec. Pourtant, alors fais voir. Maintenant, your heals drop and drop under 15% shoot times. Oh c'est ça. Putain si tu l'as une fois qu'on l'aura fait on sera happy. Il nous manque une tablette, il doit y avoir une tablette qui traîne aussi dans le coin. T'as un mec avec toi ou pas du tout? Faut que je te laisse celui qui est en train de me tuer là. Ouais. Non, normalement en dessous des 15% il y a ton dernier carré doit disparaître de vie. Oh tout est vraiment 8 barres. Même pas un centimètre de barre de vie. En pleine tête, j'ai même pas fait exprès. Putain, je suis mort. Putain, mais je sais pas comment on va à ce putain de. Putain de quoi? Bah, de trucs de soins là. Il y avait un bas. J'arrive pas à trouver le chemin quoi. La dernière fois, j'ai sauté de chez Pau pour y arriver. Et... par là. Stresse pas, ça va bien se passer. Je stresse pas, je m'énerve. C'est pas pareil. Ah oui, il est juste là, c'est bon. Aïe aïe aïe. Et juste pour pas me suivre, il a préféré faire le tour. Vous avez vu un peu ça? Mais non, c'est juste que je te suis pas de base. Bon, va falloir qu'on trace, hein. Je dis que ça fait presque une demi-heure qu'on est sur ça. Ah, je t'attends, hein, je suis à la porte. J'ai trouvé une porte, mais c'est pas la bonne. Ah, je finis la mission tout seul. Foiré. Mais putain, je tourne en rond quoi. Nien. Quoi nien? Pourquoi je suis à 94%? Ah mais non, c'est parce que je suis mort. Ah ouais. Bon, eh ben, j'espère que ce nouvel épisode de Dead Effect 2 vous aura plu. Hein, vous n'hésitez pas à laisser un joyeux pouce en l'air pour vous foutre de ma gueule parce que je suis mort lamentablement en essayant de me faire tuer. Voilà. Ouais. Cette phrase ne voulait strictement rien dire. Vous n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Et bah nous on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 6 sur l'ESS Meridian. Allez, salut tout le monde. Matakondo. Surprise motherfucker.